des écoles
Et il faut donc mettre de l'accent, par exemple, sur ces opportunités-là. Également, donc, on va parler tout à l'heure, donc, également, donc, de tout ce qui est énergie, économie d'énergie, c'est important. Et donc, on pourrait, au niveau donc, de la création de nouveaux établissements, des nouvelles centres, de nouvelles écoles, donc, on pourrait tenir compte de tous ces besoins, de tous ces besoins-là, au niveau de la création donc, des corps. Donc voilà le compte que vous avez. Et voilà, donc il y a 5 projets donc, dans la commission de formation. Le premier projet donc, concerne le développement de compétences techniques et la qualité, ce qu'on appelle les hard skills. Donc là, l'objectif c'est d'apporter des nouvelles qualifications, donc au niveau technique, au niveau des outils, maîtriser les outils. C'est important, ça va ajouter donc un autre savoir-faire assez pointu. Comme vous le savez, donc, pour les électricistes, il y a View, il y a StepSet, il y a pas mal d'outils logiciels, donc pas spécialisés, qu'on pourrait exploiter pour les gens qui font le LPI, LPI1, LPI2, LPI3, c'est important donc, pour l'administration des réseaux. Donc, certaines spécialités nécessitent donc la certification, ça va donner donc des nouvelles qualifications de haut niveau. Alors, on a visé donc à celle de ces chercheurs dans toutes les spécialités confondues. Le deuxième projet, donc, on a remarqué qu'il y a une certaine défaillance, surtout au niveau du management. Toutes les écoles, presque la quasi-totalité des écoles, ont fait un peu de gestion, mais pas donc, de manière approfondie. Et là, donc, on verra qu'on a fait donc, des conventions avec les organismes très reconnus au niveau du management. Par exemple, les responsables de l'État actuellement, ils ne sont pas assez qualifiés au niveau management. Le management de projet, la gestion de projet à l'américaine, maintenant, on ne parle pas vraiment de standard américain, donc assez poussé pour la gestion du projet. On a des très bons techniciens, des très bons ingénieurs, mais malheureusement, on n'a pas de très bons gestionnaires qui peuvent donc gérer de manière efficace, selon le droit international, donc les projets qui sont menés à temps, donc les finir à temps. Et là, donc, on va parler par la suite, quelles sont les normes, quelles sont les nouvelles tendances au niveau du management, et au niveau surtout donc, de l'entrepreneuriat, et tout ce qui est formation au niveau de création d'entreprise. Le troisième projet, c'est un projet assez intéressant qui est pour aussi là des ingénieurs, eux pour les stagiaires, c'est le projet Robert. Donc, il me semble que tous les directeurs de stage ont mis en voie sur Robert. Je vais exposer tout à l'heure ce que c'est Robert. Et le quatrième projet, c'est ça. Concerne le développement de compétences linguistiques. Une des défaillances qu'on a constatées les dernières années, c'est le problème au niveau des langues. Le français, l'anglais, et il est montré surtout l'anglais. Donc, très souvent, ce qu'on fait, on fait de la traduction avec Google et ça donne une compréhension. Donc, traduire un document en anglais avec le traducteur et puis donc, faire fonctionner votre machine, ça, suite à une traduction, très souvent, c'est très beau. C'est du double travail et c'est pas donc assez efficace. Il faut apprendre l'anglais, il faut comprendre comment on déchiffre un document écrit et puis par la suite, comment on exploite. Et puis, donc, il y a des ingénieurs qui sont dans des postes de décision, mais malheureusement, ils sont, donc, ils n'ont pas de formation assez poussée au niveau du droit de travail, au niveau gouvernance locale, au niveau des démarches participatives, tout ça, donc tout ce qui est administration, ils sont totalement appelés. Et là, on a pensé à apporter des formations pour nos ingénieurs au niveau donc, administratif, au niveau donc, texte de loi. C'est important pour prendre des autres décisions, c'est assez important. Donc il y a des formations au niveau du projet 4, donc concernant tout ce qui est gouvernance, tout ce qui est des textes législatifs. Et le cinquième projet, c'est l'élaboration de dossiers de recherche pour financer toutes ces formations-là. Car vous pouvez, donc les formations certifiantes, ça coûte des yeux de la tête. Et là, donc, on n'a pas nous, universitaires, on n'a pas les moyens de financer des formations de niveau. Généralement, c'est quelques milliers de dollars, des fois, et c'est assez cher. Donc, bon, nous sommes en train de chercher du financement, et certaines formations vont bientôt débattre. Donc,
semble assez acceptable. Donc, même si c'est un outil qui est équivalent contre le Kraken. Je passe, donc avec ce temps, on a également établi une convention entre, bien sûr, Linux, LB1 et LB2, donc la refuge, les diplômes uniques vont être 40%, donc des limites parmi les limites dans le domaine, 40% du coût. Et ça, c'est important. Donc, pour tout ce qui est digitalisation de l'administration et digitalisation de l'entreprise TNCL, ça, c'est un projet qui, normalement, il devrait figurer dans le projet de loi 2017. Malheureusement, c'est pas grave. Donc, Java, Oracle, Windows Server et tout Unix, donc je vous limite à quelques uns. Au niveau donc, de l'événement, donc on a établi également donc, une convention, on a signé une convention avec TOP et Consult, avec des offres très préférentielles concernant donc, tout ce qui est architecture des réseaux mobiles, OGMP, des cachets, etc. Également, on a préparé une grande technologie concernant donc, certaines formations, Cisco, Android, Microsoft, Android. Au niveau du deuxième projet, donc et là, c'est assez important, on va démarrer dans les jours qui suivent, donc dans la nouvelle année. Il y a quelques conventions qu'on vient de signer avec Tercel concernant donc, le standard du PMI. PMI, c'est le projet de management institut. Et je vous donc, invite à chercher Tercel et tout ce qu'on présente à ce niveau-là, c'est important. Le management, c'est pas donc le rôle uniquement du gestionnaire, mais il y a pas mal de responsables de haut niveau qui sont responsables de l'exécution de projet. Et donc il y a deux formations, c'est le management de projet selon le standard de PMA, donc on parle de PMDOC, Project Management Body of Knowledge, donc on peut se savoir. Et ça c'est important, c'est tout un ensemble de standards, donc vous avez un tableau. Des indicateurs clés de performance qui vont vous aider, donc c'est des usages qui vont vous aider à suivre donc, l'exécution d'un projet. C'est toute une science et c'est assez nouveau. Donc on va donc, inviter nos ingénieurs qui ont suivre ces formations avec des cours assez acceptables. Et puis donc la lutte de Digital Step pour le management du projet. Ça c'est la réalité. Donc en parallèle, on a également donc, négocié un projet convention avec le CL, le CL c'est européen, donc le CL européen de se former dans ce sens. Et il y a trois niveaux de certification, donc tout ce qui est management de business basis, business planning, leadership, donc tout ce qui concerne la certification dans le management des affaires. Donc bientôt, donc ça va être possible. Également, donc, en ce qui concerne les soft skills, donc, on a signé une convention avec l'escalier consulting et avec l'outil ingénierie. Très souvent, vous connaissez que pour nos étudiants, on a des difficultés au niveau de technique de communication. Et là, donc, ça devient une science comment on améliore notre communication, comment donc, on s'entraîne pour que la même. De formation qui concerne les soft skills, c'est-à-dire la communication selon la langue transactionnelle,
chercher des stages pour les élèves ingénieurs et pour les ingénieurs fraîchement diplômés. Donc, vous pouvez consulter le site Sensemover. Donc, et il y a des offres de stages pour nos étudiants et également pour ceux qui cherchent des stages dans les ingénieurs. Des entreprises sur la rive nord et sur la Méditerranée. Donc vous avez dans ce projet-là participé 4 pays de la rive nord, qui sont l'Espagne, la France, la Grèce et l'Italie, et 5 pays de la rive sud, Tunisie, Égypte, Liban, Maroc, la vocation, c'est de, comme je viens de le dire, c'est de fournir des stages aux étudiants et aux ingénieurs. Et puis donc voilà le site de ce moment. Pour les stages, donc c'est récent, à la fin, c'est émergé dans le site Liberté, l'Université de l'Église. Ok? Donc c'est l'Université de l'Église et ça concerne tous les 9 pays. Donc déjà, on a démarré avec un stage pour l'informaticien en Paris. Il y a donc un groupe d'informaticien de l'Église. Il s'agit d'une formation avec certification pour prendre des niveaux assez pointus
Non, d'accord. Également, donc, il y a les nouvelles réformes telles que le plus de l'idée de l'Union européenne, c'est là nous sommes en contact avec ces nouvelles réformes pour nous aider à financer nos formations. Et donc, ça va permettre donc, d'ouvrir d'autres horizons, d'autres opportunités pour nos ingénieurs, insérer, donc, qui est valorisé avec 5-6 certifs. Avoir un nombre de bras, que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau international. Ça, c'est garanti. Donc, je vais finir par le dernier slide. Donc, ça, c'est un projet que nous sommes en train de préparer. Donc, avec Madame et avec le financement de GIZ. Donc, on va créer deux métiers, deux nouveaux métiers. Et ça, c'est le gisement d'énergie, c'est l'économie d'énergie. Deux métiers. Le premier, c'est l'expert en efficacité énergétique. Le deuxième, c'est l'expert en énergie renouvelable. Ça, à mon avis, au lieu de chercher le coût de l'école, le coût de l'école, ils ont des problèmes politiques énergétiques, chose que je n'ai pas faite. Donc, j'explique, la population en ville, c'est des architectes, des ingénieurs en génie énergétique, génie électrique, génie civil. Le domaine d'application, c'est le domaine donc bâtiment, transport et industrie, c'est les secteurs les plus énergivores. Un de ces secteurs-là, froid, climatisation, chauffage, cogénération, régénération, gestion de l'énergie, verre et lumière. Donc la première étape a été donc achetée, ça concerne l'élaboration des référentiels métiers, c'est déjà fait. Donc pour le deux métiers. Et puis donc nous sommes dans l'étape 2, on vient de l'acheter. Donc il y a un appel à candidature pour former des multiplicateurs, donc des universitaires dans le domaine. Et généralement, ou bien des ingénieurs qui ont un peu de l'expérience. Et des multiplicateurs vont former en fait. Ils vont former les formateurs. Et puis les formateurs. Des ingénieurs dans les spécialités déjà citées, et on va préparer donc des experts en efficacité énergétique, des experts en énergie renouvelable. Qu'est-ce que ça va être de l'autre? C'est de faire revenir l'énergie, ça on sait fait, mais ce qu'on n'est pas en train de faire, c'est la politique énergétique. Par la suite, comment on va un projet pour améliorer, pour faire de l'économie de l'énergie. Et ça, à mon avis, donc j'ai utilisé c'est la base de données de l'IA. On a fait 40 ans, puisqu'on a 680 000 petits et moyens entreprises, ça je vais vous dire sur le site de l'INS, pour justifier qu'il y a un réel besoin d'économie de l'énergie. J'ai donné l'exemple de la compagnie de l'INS, certainement ça, si vous faites de l'économie énergétique, il y a un réel énergie de 30% de l'énergie. Et ça, c'est de l'argent. Donc s'il y avait un expert en efficacité énergétique, le 30%, donc ça, c'est une source d'emploi. C'est un raisonnement donc assez connu. Normalement, on forme les gens pour avoir des qualifications de haut niveau, et puis par la suite, ce sont eux qui vont faire la politique énergétique, puis la politique énergétique, et ça, on pourrait le faire au niveau des gouvernements, au niveau des listes. Voilà, donc ainsi je termine mon exposé, et merci pour votre attention. S'il y a des questions, donc... Juste, tu as ça, l'ordre des ingénieurs qui nous aiment, concernant, donc, pour commencer, donc, nous avons fait des rapports de collaboration avec le ministère de l'Enseignement supérieur. Avec l'ancien ministre de l'enseignement supérieur et avec lui, donc, on a mis le rapport à Gigi, donc, maintenant.
qu'on se voit dans des nouvelles idées au niveau de la croissance. C'est important d'avoir des formations au niveau des États. Déjà, on a fait des formations à travers les comités des chevaux, donc de l'association, le comité régional des choses a travaillé avec les MINISO, donc ceci, on pourrait également collaborer avec. Des fois, lorsque ce n'est pas gratuit, c'est symbolique, c'est des frais assez symboliques. Et donc, ensemble, on voulait mettre l'accent sur nos compétences et rêver pour avoir une Tunisie meilleure, pour une Tunisie de l'année 2030-2050, avec donc, la commande de l'enthousiasme des jeunes qui veulent. Les enseignants universitaires, les ingénieurs qui ont un peu plus d'expérience, donc ils sont concernés au niveau des démultiplicateurs. Les démultiplicateurs, ils vont devenir par la suite des experts au niveau même après mondial. C'est assez intéressant. Et puis, à un niveau plus bas, donc vous avez les formateurs qui on va publier donc les critères de sélection. Normalement, les démultiplicateurs, c'est déjà fait. Ça a été diffusé et ils vont être publics. Au niveau des ingénieurs, ce sont eux qui vont donc être formés et puis ils peuvent lancer ou voilà, créer leur propre boîte et ça c'est important. Et de quel niveau le district, pas les femmes dans le district, même le Martamdé. 164. Le Martamdé. Et tu n'as pas voilà, 264, c'est vrai. Donc, il y a un maktab de Rasset, c'est pour le Martamdé. Mahalina, je vois un machèque, ça concerne. Ça ne concerne pas uniquement Mansi et Tab. Alors, on a des architectes, on a l'ordre des architectes, et ça concerne plusieurs spécialités. Et ça ne concerne pas uniquement les ingénieurs, les techniciens, c'est les gens qui vont exercer. Et puis, donc, là où il y a un bureau d'études, il y aura certainement des secrétaires, il y aura. Donc, c'est un jugement d'emploi. Malheureusement, ça ne figure pas dans le projet de loi. Allez, je crois qu'on ne fait pas participer des universitaires qui sont créateurs d'idées, créateurs de richesses. Donc, par exemple, quand on a qui au Big Data, est-ce qu'ils prennent en considération, donc, ça reste malheureusement, article 139, on le voit, c'est beau, mais on ne l'applique pas. Mais normalement, donc, celui qui détient l'information détient le pouvoir. Malheureusement, donc, on a l'information, mais on ne sait pas l'exploiter et on n'a pas le pouvoir. C'est le rôle de la nouvelle génération, donc, faut qu'ils ne travaillent pas. Donc je n'ai pas sélectionné, je suis en train de faire la.
formation parliée ma putain. هذه مشكلة أصلاً اللي صنصي واحد من اللي يتخرج قبل ما يشد الامبلوى تاعه قبل ما يدخل يخدم اللي بعد تبالي له مشكلة باش يكون جي باش يمشي يرسم باش كذا صنصي من هذا ياخذ الدبلوم ويعرف اللي فما حاجة اسمها مثلا سين يمشي يعمل فيها. سي فري بارمي لي بروجي جو كي دونك كي فو ا كولابوري افيك تو لي زيتابليسمون دونك كي كونسيي لا فورماسيون ماجاج دونك le fait d'être une expérience de
sorte de stigma qui connaît le stigma d'une œuvre d'art. D'accord. Bon, qu'est-ce qu'il y a à utiliser au moment de développer avec beaucoup de mal? Pour cartographier le quartier dans la
le but, c'est purement lucratif. En fait, les cartes propriétaires s'intéressent là où ils peuvent vendre. C'est pour ça qu'on trouve, par exemple, les hommes qui sont au sud de la Tunisie, etc., ils sont pas très bien à eux. Et donc, c'est là que l'alternative au cinéma a peu de valeur à eux. Donc, de là, il faut commencer à présenter la communauté juive. Donc, officiellement, il n'y a pas de date de création, mais la ligne a été créée le 24 juin 2009. Donc, à l'époque, en 2009, la carte de Tunisie sur le plan occidental n'était pas bien alimentée. On trouvait que la capitale, représentée par un pays, c'est-à-dire un corps, un peu de complexe. Donc il y avait plein de nationales, de groupes, etc. Alors que là, actuellement, c'est très bien marqué par rapport à une. Donc il y a la page Wiki qui contient les informations, les précieuses informations pour les contributeurs pour qu'ils puissent mapper proprement les cartes de Tunisie. Donc la communauté tunisienne avait été mise en œuvre lors de la conférence Casse-Tête-Ottoman en 2011 à Belleville, aux États-Unis. Et là, M. Chef Guillaume a été invité pour présenter la carte tunisienne durant l'année. Donc ça, c'est l'image, parce que c'est la dernière année, en fait, de toutes les communautés qui se rassemblent chaque année dans un pays. Et là, on peut voir au milieu un petit bout du drapeau tunisien. Donc ça, c'est chez Daniel Kipler. Donc, c'est tout dernier. On a organisé une concert de l'Occident. Et donc, là, en fait, c'est une très bonne expérience parce que l'organisation de l'événement n'était pas faite par une association ou une communauté précisément. Il y a eu en fait un travail collaboratif entre trois associations, l'UQS, l'UQS, il y avait le projet 4 citoyens. Et donc, dans cette animation, on a fait des ateliers, on a présenté le festival, et il y a eu une présence de pas mal de gens qui sont pas nécessairement des informaticiens de développeurs. Donc c'est ça, en fait, le truc, c'est que ça a attiré ceux qui sont intéressés par le côté technologique de l'Occitane, et deux, ça a intéressé ceux qui ont besoin d'exploiter un. Encore comme on l'a dit dans la présentation de Guillaume et Big Data, il y avait des cartes. Et donc en fait, les cartes, on utilise pour ça, pour présenter des informations, pour présenter des statistiques, ou pour des outils qui seraient importants pour l'économie, pour l'économie sociale, etc. etc. Et donc, c'est à partir de là qu'on a décidé de faire un cycle d'ateliers chaque mois. Et donc, on a fait notre premier atelier à l'OCLSFC, le deuxième, c'était en septembre, le deuxième en octobre, c'était un café un peu détendu. Donc, et puis, le troisième atelier était fait à l'OCLSFC. Si on veut signer
initiés à la contribution, on peut participer à un des ateliers qui sont intéressés. Donc, on va essayer d'organiser aussi grand que rien, parce que les difficultés actuelles, dans la mesure, c'est que dans la carte de Tunisie, il y a seulement un code qui est bien cartographié, c'est-à-dire Tunis sous ce espace, mais pour les hommes intérieurs, comme le Réunion, les États-Unis, etc., c'est complètement cartographié, et ça, en fait, ça présente un défi pour, par exemple, les associations qui ne peuvent pas intervenir dans ces localités-là. Je prends par exemple l'exemple de Roche-Bourgogne. C'est une application où les gens, les citoyens, peuvent signaler des coupures d'eau. Donc, quand ils mettent en présence ces grilles dans la carte, il n'y a rien, il n'y a rien. Et donc, quelque part, les actions humanitaires, les actions sociales ne peuvent pas dire si la technologie n'est pas là. Donc voilà, merci, et s'il y a des questions, je vous dirai. Ma chère Sabrina, Auguste. Ok, merci, c'est marrant. Ah, local. On a en la ministre. En ça, quand on envoie la ministre, tout le monde de la communauté en reçoit. Il y a la responsabilité qui est aussi un monde public. Et donc voilà. Qui ont venu avec les efforts de communauté
Donc voilà. Pour moi, je dis que ça marche déjà très bien. Je veux sûrement développer des logiciels. Et les logiciels sont la production. Pourquoi je vais changer? J'ai pris ici un exemple de cuisine. Donc, un exemple de l'ancienne architecture monolithique dans le web. Et j'ai pris l'exemple d'un micro-ondes et d'un aspirateur et d'un gaz et un four. Et j'ai essayé de voir si je suis capable à long terme de rester en cette architecture de développement. Supposons que mon gaz est fort. J'ai besoin de changer. Qu'est-ce que je change ici? Et je vais changer de l'humanisme. C'est trop cher. C'est difficile. Pourquoi? Ou par exemple, j'ai besoin d'avoir une prise. Ici, une prise, ça fait fonctionner les coûts systèmes, c'est bien. C'est un peu luxe en fait, c'est
démarquez bien et puis c'est tout. Donc c'est ça la base de l'architecture de Fossalis. C'est en fait le single responsibility, la recette, c'est je fais quelque chose, je l'organise bien et puis c'est tout. C'est la base. Et sur ça, vous pouvez très bien développer les architectures de Fossalis en Fossalis. Je passe sur la carte de droite, bah, je prends le donc pour ça, le scaling. Donc le scaling, c'est ça en fait, c'est le fait de diviser la mémoire en charge et le blocage. C'est-à-dire quand je le vois parce que j'ai connu sans utilisateur, il n'y a pas de souci. J'ai un sens à voir et je peux servir tous les utilisateurs. Et quand je parle de millions, là c'est une problématique. Et les anciennes architectures, politiques sont un peu difficiles. Il faut vraiment acheter un nouveau serveur les architectures de transférer, puisqu'ils sont décomposés, on peut très bien monter en charge, on peut servir plusieurs millions d'utilisateurs. Et puis, la matérialité, c'est-à-dire si j'ai un bug, une exception dans un projet, je la corrige, et puis je vais refaire la partie de tout un logiciel pour juste corriger la matérialité. Par contre, dans les autres services, puisqu'ils sont un peu dépendant, je vais juste packager un offre, par exemple, si on parle de Java, qui est une taille minime par rapport à tout le logiciel. Donc il y a un peu d'intelligence pour déjà répartir et décomposer vos services et logiquement, je veux dire, fonctionnellement en deux. Finalement, j'ai entendu la comparaison, mais voilà, tu dis que l'architecture monolithique, c'est pas chouette. Et finalement, l'architecture qu'il faut s'en c'est d'utiliser cette mauvaise chose en monolithique, mauvaise chose. Déjà, c'est un problème. Donc, c'est un moyen d'utiliser, et il y a un poste qui a vu sur la voie, donc c'est un peu plus large, c'est pas gratuit. Et il faut se décider, c'est une machine qui est lourde à mettre en place, certes, lourde en matière grise, ça coûte, et en infrastructure. Et donc, il faut être assez grand pour implémenter les microservices. Donc, il faut déjà commencer. C'est déjà une bonne chose pour moi à les aider à une telle architecture qui n'a pas eu il y a longtemps, c'est depuis 2011, mais avec les groupes. Il y a plusieurs approches, qui sont mieux niveau. Donc c'est une bonne chose de commencer déjà à se familiariser avec les bonnes pratiques microservices qui sont disponibles sur la toile, telles que bien sûr la CQRS que vous avez donné, le plan, c'est-à-dire l'entrée de yourself adapté pour les microservices. Et la seule responsabilité, c'est les designs internes aussi. Il faut déjà être à l'aise au niveau des designs internes. Pour faire des services, puis on aura peut-être d'autres opportunités de parler des architectures microservices, pour les infrastructures et voilà, merci. Bon,
certain parce qu'en tout concerne une architecture microsatellite, est-ce que c'est faisable même si on n'a pas beaucoup de clients, si on n'a pas de clients? Comme je l'ai dit, aujourd'hui, je vais parler des infrastructures qui sont disponibles sur les certains services, mais je veux juste, les startups ou les jeunes développeurs, je sais déjà comment produire des codes de qualité. Il faut produire des codes de qualité pour minimiser les dégâts avant de faire la transition entre l'ancienne architecture de l'unité et l'architecture de notre service. D'ailleurs, il n'y a pas des personnes qui font on a une chiffre d'une architecture de notre service pour que je vais implémenter ABC comme ça. Déjà, il y a une phase transitoire. Il faut améliorer la qualité des logiciels, la qualité de code pour pouvoir ensuite se concentrer fonctionnellement sur comment je vais dépasser, comment je vais détacher les logiciels pour créer des entités dépendantes. Déjà, maintenant, Madame Théa, professeur.
déployé en 2014. J'occupe un poste de la une de nos présences, c'est d'avoir toute une communauté active qui utilise le frais.
questions. Voilà. Enseignant au niveau de la section B, ingénieur informatique et utilisatrice de l'UCB depuis l'année 2000. Et oui, je viens de faire maintenant la rencontre de mes anciens diplômes de la première promotion que j'ai enseignée à l'UCB en 2002 et je vous ai enseigné donc le 21 mars. Et également pour la communauté de Père, et on a dit qu'il a monté son propre projet à partir donc, de ses contributions dans la communauté de Père. Et maintenant, ça m'a fait très chaud. Donc, je suis vraiment responsable de cette question liée à Zélite Chavier et l'Académie. La possibilité de faire la certification académique donc sur à travers le parcours académique. En fait, l'ensemble des enseignants à l'Église Chavir ont essayé d'intégrer le contenu des objectifs académiques dans les groupes qu'on propose aux étudiants et donc à la fin des années, et de moitié de la troisième année. Peuvent passer la certification LPI. Donc, de cette façon, ils peuvent quitter les aides avec leur connaissance et avec la certification. Donc, je suis également membre des ESUX. Donc, les ESUX, c'est le Soft Club. Donc, voilà, je vais essayer de présenter le club. Il a été créé en octobre 2014 par l'arrivée d'un étudiant spécial, les Zweli. Donc tout le numérique est malade en s'intégrer. Et la création du club revient à Rome. Donc actuellement le club comporte 7 membres. En fait, puisque chaque année on a des parents, des étudiants de troisième année qui disaient, on essaie à chaque fois de faire un suivi, il y a une fois maintenant en troisième année et deuxième année. Mais j'arrive à être stable dans le club. Donc, pour essayer que le club continue à assurer. Donc, voilà la relation du club et de booster l'utilisation des logiciels libres à user chaque jour. Donc, le club il a essayé d'amener un ensemble d'actions telles que GitHub Workshop, Bitcoin, PD. Donc voilà, c'est un peu un aperçu sur donc les activités du club. En fait, j'avais pas oublié que la présentation soit interactive avec les étudiants présents. Mais malheureusement, voilà. En fait, donc j'avais pas oublié que ça soit en interaction avec les différents représentants des clubs. Thank you.
amène des activités, vend des brochures, amène des formations à l'université, Michel, Wolves, Fisters, Diverser, Steve, Pierre, Mouzette. Alors, on trouve le maximum, surtout que même après, on est chargé de la communauté, quand on est dans la communauté, voilà, on est sur la communauté, et on va le faire. De maths, le second c'est un prof de physique et je pense à l'étudiant monsieur Hatem Sal Alayak, bien sûr, et monsieur Nizar, je ne me rappelle pas le nom. Voilà, ce sont les quatre les fondateurs et depuis donc il y a principalement un événement principal au JLA, journée de logiciel libre, il est à Malcolm. Principalement, donc, bien sûr, l'objectif c'est de répondre à l'esprit du libre. Sinon, qui m'a dit le col, il y a des activités quotidiennes et tout. Voilà, c'est principalement ça. Merci. Donc, esprit libre. Enchaîné. J'ai de la chance. Cette image, à quoi ça vous fait penser?
Oui. Qui est votre conseil? Québec. Le Québec. Un autre, le banquier. Oui. Le logiciel fondateur. Voilà. Et qui est le... du gouvernement, malheureusement. Voilà.
qui est un projet lancé par Tata Magic Plant et Megasoft et Oli. Ce projet s'approche d'appui d'entrepreneuriat aux jeunes, c'est-à-dire vous êtes classiques. D'accord? Donc, dans ce programme, il y a des programmes de formation. Le programme il consiste à vous former, vous offrir des formations, donc réalisation, réalisation des nouveaux diplômés, la pratique assise, vous aider à mieux utiliser les nouvelles plateformes technologiques et le slogan de commercialisation, rentabiliser la propriété intellectuelle, vos propriétés intellectuelles, qui mettent de l'argent pour rentabiliser vos propriétés intellectuelles, et créer, donc vous aider à créer des projets privés de coopération, finalement apporter la solution à la création d'emplois. Le besoin principal de la jeunesse. Donc, c'est presque parce qu'on voit ça, vous avez des effets communs pour résoudre les problèmes des jeunes et des nouveaux. Donc, on peut l'habiliter après les études des diplômés. Mais la question à poser est est-ce que réellement, c'est ça l'objectif? Donc, à chacun sa vision, à chacun sa fenêtre de réflexion. Mais, non. Également, Tunisie Télécom, elle vient de signer un contrat de l'accord de coopération avec Microsoft pour l'utilisation de cloud de Microsoft. Donc, il y a des contacts donc de l'utilisation de cloud de Microsoft. Donc, vous voyez, Microsoft est là. Et ils sont là parce qu'ils ont des projets stratégiques. Ils lisent les jeunes. Ils sont dans les universités. Ils proposent des formations rapides aux jeunes. Ils proposent aux enseignants et aux étudiants des formations avec des prix très compensés. Donc, ils lisent le marché de demain. Donc, même demain, des technologies avec un logiciel, il va pas cacher parce que je n'ai pas un emploi. Donc ils sont en train de travailler pour rester une autre. Donc, en voyant tout ça, et il y a le projet nucléaire qui a voulu être, qui ont voulu renoncer à les échapper, donc ceci est amené à essayer de recenser quelques feedback auprès des étudiants, quel est le degré de familiarisation de nos étudiants avec les logiciels libres. Donc, on a lancé un questionnaire qui est accessible à travers le site. Voilà. Le questionnaire. Donc, ce questionnaire, il a été lancé auprès de on a invité les étudiants, le personnel administratif ainsi que les enseignants à répondre à ce questionnaire. Vers la cible qui sont les étudiants pour que nos actions
Donc, seulement, donc, 136 personnes, il y a 11,55%. Et ils ont répondu au questionnaire. Donc, 86% auprès du personnel israélien, parce que j'ai fait les cours. Et ceux qui n'ont pas répondu, c'était les absents. Même les enseignants. Donc, le pourcentage n'a pas atteint 50%, même au niveau du département, même en fait. Bon, et les sondages, vous avez mis au niveau des étudiants, ils sont très faibles. En 40%, on trouve le 90% par personnel administratif. Donc, vous allez voir le résultat, parce que quand je vais utiliser ces pourcentages, on va vraiment faire des résultats. Donc, voilà. Mais les étudiants, en fait, c'était la partie la plus active du questionnaire, le pourcentage de contribution des étudiants dans les résultats que je vais présenter est 88,7%. 88,7% de la population qui a participé sont des étudiants. Mais bon, les gens sont un peu représentatifs. Donc, la première question était, avez-vous entendu parler des logiciels libres? Donc, les réponses étaient oui. Donc, il y avait 60 ans, à la population participative des étudiants, pour Ahmed et Jarabani et l'Académie, à partir de la deuxième année, pratiquement les deux étudiants firment une bonne partie commune pour tous les étudiants informatiques et magiques, à quoi nous avons la parole de nous. Donc, il y avait les commerces individuelles. Voilà, la perte de connaissance, 56% si on est au niveau formation. On a posé des questions, est-ce que vous avez entendu parler dans un club, ou bien dans une journée de sensibilisation, ou bien dans le groupe. Donc 56% c'est dans le groupe. Donc si on intègre les logiciels libres dans le programme de formation, on pourra changer le texte. Donc, maintenant, vous avez une bonne partie, oui. Une autre fois, parce que c'est intégré dans le cours. Mais il y a quand même 8,5%, je ne sais pas. Mais je ne sais pas, 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 je ne sais pas. La plus grande catégorie, c'est le système de et ça s'explique encore une fois parce que les programmes dépendent du cours. Maintenant, on a posé la question, est-ce que vous utilisez exclusivement les logiciels libres? D'accord. Vous utilisez, est-ce que c'est exclusif? Et non. 74%, non. Mais quand même, 25% sont rouges, pas qu'il y ait des moyens. 25% de nos étudiants utilisent exclusivement les logiciels libres. Et personnellement, à ce travail. Alors, la question suivante, êtes-vous prêt à migrer vers la distribution complètement libre? Maintenant, vous avez essayé pour les personnes qui ont répondu oui, on utilise. Mais pas exclusivement. On a essayé de poser la question, est-ce que vous êtes arrivé à aller de l'autre côté? Voyons les résultats. 20% non. Mais c'est 10%, c'est 27% oui. Donc il faut faire un effort avec ces 57%. Et 23%, je ne sais pas. Et c'est mieux que le vent. Ça reste toujours mieux que le vent. Donc ça peut être 80%. Oui. Après un peu de travail, ça pourra être 80% oui et 20% non. Voilà. Donc ici, pour montrer un peu plus dans les détails, parce que au niveau de la population, dans l'échantillon,
ce sont eux qui ont géré la partie. On n'a pas entendu parler des législatives. Donc, quand vous voyez, c'est à ce niveau-là, 68% quand même, pardon, les étudiants, 46% non. Donc, ça confirme que l'intégration au niveau du plan de cours, c'est à générer ces résultats-là. Donc, voilà. Je vais passer maintenant une question que signifie pour vous le lycée libre. Ceux qui ont répondu par oui, on en a entendu parler. Donc, ici, il y a 19% qui ont dit c'est un lycée gratuit. 12,7% ils ont dit, pardon, 12,7% ils ont dit que je peux partager. C'est un lycée que je peux partager. Donc, seulement, 20% ils ont donné les 4 pilotes. 11% ils ont dit c'est sans licence. Donc, je ne sais pas, 6%. Mais quand même, donc, on a eu des réponses de ce que c'est le travail pour un lycée libre, c'est le travail de vous. D'autres ont répondu, pas de limite, liberté totale, ça signifie liberté totale. D'autres, ils ont dit, c'est la liberté de l'union. D'autres ont dit, c'est l'ouverture d'horizon. Et il y en a un qui dit, ça va devenir. Et il y a la réponse de la Maintenant, justement, puisque il y en a ceux qui pensent que le lycée libre, c'est le paradis, donc je vous invite à briller. Donc, pourquoi ne pas penser à comment rendre la Tunisie la terre de ce paradis? Donc ici, j'appelle votre recommandation, donc j'invite ceux, donc les différents membres des régions bleues, c'était au début, donc selon vous, comment va le bien-être? Et donc j'avais prévu d'invoquer donc chacun des bleus, mais quand ils n'ont pas les langues, je vais essayer. Mais je vous invite vivement à réfléchir à cette question, et donc, bon, personnellement, comme on vient de voir qu'on est encerclé par le dinosaure, mais la route et l'angle meilleure c'est César Tati qui l'a dit. Je vais essayer de trouver. C'est le slogan de l'association Parasite en France. Parce que j'ai été je redonne la source. Merci. Donc, personnellement, c'est ma vision. Et j'ai voulu la partager donc, avec vous. Et personnellement, je pense que c'est le rôle de la communauté de briser la chaîne. Agréablement subtil de courir cet environnement, travailler simplement dans le monde,
Et la résistance venait des collègues, des enseignants. Je vois le système d'aide, je ne vais pas l'utiliser. Donc, il y avait cette résistance au changement, et il est dit à l'OPH, la faculté de sciences et de sciences, qui est le même que le lycée libre, le lycée libre, le lycée libre. La question est un arbre, je ne suis pas extrême. Je ne sais pas, il y a des erreurs, comment est-ce que vous avez fait cette unité d'expérience, c'est comment vous avez fait ça, c'est ce qui m'intéresse le plus. Windows dans les salles de TP et tout. Donc, le département, comme il y a un noyau d'enseignants qui essaye de guider vers l'utilisation de l'initiative, via la création de l'académie bancaire dédiée, cette année, la première décision du dernier est où il a pour faire cette réserve. Le noyau est composé de plusieurs enseignants. Il y a au moins un noyau de 5. Et le moment 4. Bon, il y a plus, mais on a des membres qui influent dans la décision, qui ont contribué à cette décision. D'accord. Et avec donc, cette délégation, les étudiants, bien sûr, mais au bout d'abord, ils sont là, ils peuvent vous donner leur feedback. Vous espérez que c'est le fait. Bon, un mec qui parle un petit handicap, même le technicien, il manque de formation, et on est en train d'essayer d'aider. Le reste des enseignants, oui, il y a pas mal de collègues qui parlent. Non, personnellement, qu'est-ce que j'ai proposé une formation pour les collègues. Donc, j'ai commencé, j'ai fait un an. Donc, j'ai lancé un collègue, quels sont vos besoins, quels sont vos problèmes. Donc, j'ai renseigné les problèmes et j'ai donné une solution. Voilà, donc j'ai renseigné les questions. J'ai fait donc une papier dédié de formation. Voilà, ce problème, voilà la solution. Et honnêtement, en sortant, une des collègues est venue nous dire je suis heureuse, vous m'avez donné envie de découvrir ce système et de travailler avec. Bon, je lui ai demandé dans une salle en c'est ça l'objectif. Donc, c'est un enseignant qui utilise toujours Microsoft, qui enseigne le net, qui est sans rendre le nom de Microsoft, parce que, donc, il regarde les outils comme ça. Donc, c'est en permanence à suivre votre approche. Merci. Donc, d'autres questions? Merci, madame. Des questions? Bon, appartenir à la question, madame la riche. Merci pour la présentation. Donc, je me présente, je suis maître assistant à l'ISAP de Sousse et je préside une association de recherche scientifique et innovation informatique. Elle a caché son PC. Hein. Ah, oui. Bon, personnellement, je travaille pas sur les logiciels en ligne, mais bon, c'est plus bon. Et il s'agit d'une proposition en fait. Pourquoi ne pas agir dès le début? C'est-à-dire, ainsi que les élèves déjà commencent. De la nécessité de base. L'informatique, c'est-à-dire au milieu de la première, par la suite de la littérature, première année, on revient deuxième. Et ça, il faut peut-être travailler dedans, parce qu'un élève qui va apprendre à utiliser les logiciels, les dinosaures, comme on a dit, Windows, les autres logiciels, et il faut des difficultés énormes aussi pour changer le carrément de. Assez de travail et de réalisation vont donc être cités plus sur. Justement, en fait, je vous remercie pour votre question. Madame, la présentation, l'idée derrière la présentation, c'est inviter plus la communauté à réfléchir comment faire face à ce dinosaure si on veut vraiment être influent au niveau de notre pays. Cet argent-là, c'est un peu là, je ne sais pas. Je me suis dit, je me suis donc, il faut vraiment essayer d'agir pour pousser vers des choix stratégiques.
qui, justement, là où Marie est professeur, qui est dans un titulaire de l'université, là où l'enseignement, que ce soit en primaire ou bas de secondaire, il y a aussi le départ, ça y est, c'est un petit on est en train de faire de mai, il est quand même tap dans le mal. Comme ça, on est à l'être année, dans l'Ihsab Qatché, il y a 7 ans, on commence à recueillir les fruits. On s'impose. On prend le réveil à l'heure de la communauté. Une petite anecdote, pour l'année Martinez, en l'SLB 2014 ou l'SLB 2015, il y avait la meilleure présentation, elle est HBN, il y a des enseignants, elle était secondaire, au collège, il y a des projets, j'ai un feedback très intéressant. Mais ça reste malheureusement des initiatives personnelles, t'as un collègue qui fait des actions. Une petite anecdote, au moment où on parle de la statistique, on a une cousine, t'as un lycée pilote qui me tire. تعجبت مرة تحكي لي قالت لي راهو أني الوحيدة في الإكزامان انفورماتيك خذيت 20 سور 20 قلت لها علاش؟ قالت لي خاطر فما اللي يضيع اون كيستيون سيتي لي تيب دو سيستيم اكسبلوتاسيون قالت لي اللي سي الكل جاوب حاجة برك وأني جاوبت أوبونتو خاطر نعرفك أنت عندك أوبونتو دونك فما اون سيور تشوف حدات مالوريزمون معناتها سيت اون ستاتيستيك كي في بيور معناتها نحن Mais on n'a pas vraiment trouvé une santé avec la machine à y répondre à nos actions ou pas poser ça. Thank you.
Le 6 octobre, c'est la différence.